Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et avant nous déraper avec Tikoze aujourd'hui là. Nous va faire un petit bas de bouche ensemble pour nous ça qui grand pour cap dominer actualité là. Nous va dire si nous t'entendez moins. Va me tendre nous. Va me tendre pour me connait est-ce que nous t'entendez. Et va communication. On a des difficultés là, même si l'image est bon, mais capable de difficultés tout. On nous voit ça gain. Donc on va dire sous-tendez. Est-ce que vous entendez? Là je vais dire ah, son pas bon. Recommencer encore. Vous entendez là? Réponse censée oui. Et bonsoir, c'est un bien bonjour, bonsoir, quel que soit que tu as de nous. Bah, moi, je fais un coup d'œil pour moi, pour me sûr que tout le monde dit yes, et voilà. Et tout le monde dit yes, donc, merci en pile. Je dis à ce vendredi, c'est week-end. Week-end, nous commençons. Et pour nous là, week-end, nous déjà commencé depuis là, depuis longtemps déjà, mais quand même officiellement, là, commencé jeudi. Grand prix, c'est ça, domine l'actualité. Alors, bon, parler nous, petit bar avant. J'aime dire que et si cause ça n'a fait chaque nous fait chaque jour lundi au vendredi samedi à dimanche si nécessaire et bien bon responsable et dans agence là particulièrement service que là et bien yo il a fait petit changement petit passé mais là dans le puis fait plus sérieux que moi-même moi fait puis sérieux en ce sens que n'a pas gon l'heure exactement n'a pas commencé et était certainement et n'a pas gon l'heure que n'a fini et puis bon m'pas faire pour venir n'importe les gens l'idée me dit me connia longtemps de bien commencer me décon l'heure commencer après ça me vienne pain lagué donc m'vienne pas m'dou faire quand même mais chaque fois m'paraît de temps en temps on l'aime font paraît on l'aime m'rété me faire retard etc. bon connia nous pral y a structuré li et la bon thème la bon logo la bon se débat là dedans mais l'a toujours elle non l'a prélé ti causé avec Jean-O mais c'est pas bail politique lié son on ti causé sous information m'a juste bon information qu'on connaît déjà que m'a pu confirmer avoir et sous pas connaît déjà m'a plus fort connaît là mais nous pas dans faire nous pas dans commenter ni dans voir tout à sous monde ni dit ça pas ça ou bien encore dit information nous pas vérifié donc toute information que me connaît que me pas vérifié me pas parler de lui tout simplement et qu'on dit nèg camarade là dit point bas on va discuter ça en tout cas on a parlé sur grand point cap dominer actualité à pratiquement gain dossier gain israélo Hamas là et bien actuellement on a l'autre problème qui pose kounia c'est question de et communication qui pas gain dans territoire Gaza ça qui pose un problème dans le moment communauté internationale là particulièrement les États-Unis a lancé appel pour qu'on pose qui fait pour permettre que assistance rive jeune monde qui a besoin dans territoire Gaza donc on y a un problème de communication donc c'est ça qui crée un autre problème donc certainement des efforts qu'a fait pour que capable dans qui mesure capable rétablir communication parce que communication c'est une bail qui est important et surtout pour camion capable porter produits pour une nécessité et bail population surtout gaz par exemple gain bail qui presque crampé parce que pas gain gaz tout simplement et il a besoin d'un moyen de communication pour capable communiquer et c'est la nuit avec dossier mais entre-temps et ça va empêcher que et autorité pas et israélien reprennent contrôle un port dans Gaza et que qui t'embarque Hamas c'est qu'on contrôler et bien au point et Bekounia c'est autorité israélien qui s'est à contrôler port si là dans l'autre nouvelle encore c'est sommet et APEC là et cap déroulé dans San Francisco en Californie et pratiquement hier président Biden était en contact avec leader en fait il parlait surtout des questions économiques avec leader dans le Pacifique là leader qui dans zone là qui est capable participer dans sommet ça et c'était un gros sujet qui était là dans le tour et l'autre sujet d'importance non seulement pour les États-Unis mais était tout important pour pays ça gain la Chine tout rappelons là qui donc on sorte de on lutte entre les États-Unis avec et la Chine sur question ça pour une qui mesure que et une capable d'influencer et pays participants nous rappelons que des gros rencontres entre président Biden avec Xi
et son rencontre qui était attirant pile attention mais c'est pas un gros et personne pas qu'à dire c'était un monde mais chaque parti était français exprimé et exprimé pour faire en déposition par une série de dossiers et très important donc question mais ça et puis congrès a évité en fait président Biden signé et proposition loi qui visait pour financer le gouvernement pratiquement pour janvier avec février selon qui agence au monnaie donc parce que le Sénat a voté proposition ça que la chambre des députés a déjà voté déjà bon ils disent une combinaison entre démocrates et républicains qui mettent ensemble et qui votent ça a évité que le gouvernement pas fermé jeudi à c'était délai qui était fixé pour que pour l'argent qui était disponible pour financer forcément le gouvernement jeudi à c'était délai en tout cas et donc ça va priver donc mais congrès a encore gain pour le travail sur un budget définitif et pour permettre que le gouvernement continue à fonctionner juste dans l'année fiscale juste dans la fin année fiscale ça. Et pas oublier que nous pas l'entrer dans nos années électorales en 2024 donc grand pile sujet qu'a fait alors femme dit nous-mêmes que rappelons que ici aux États-Unis dans l'élection générale elle a fait gagner et toute chambre députée a net mandat au fini après 2 ans donc c'est renouvellement complet donc toute chambre députée a net tout le monde net retourner dans l'élection et tandis que c'est un tiers en Sénat pour aller dans l'élection. Et puis entre temps, lors de l'élection dernièrement, il y a une élection locale qui est faite pour les magistrats communaux, il y a une élection qui est faite tout pour non seulement magistrats communaux, il y a une élection qui est faite pour le gouverneur, tout dans le conseil d'État. Mais ça, c'est un avant-goût parce qu'au moins, il y a une idée de qui est l'élection de 2024 pour aller. Nous rappelons que l'élection de 2024, jusqu'à présent, il y a un républicain qui cap mener campagne justement candidat qui intéressé pour une nomination parti républicain qui a mené campagne toujours pour être sur ta représenter parti républicain dans l'élection présidentielle et 2024 jours face à un candidat démocrate très certainement président Biden déclaré tête lui comme successeur propre tête lui donc l'a créé propre succession propre tête lui donc lui là mais gon l'autre candidat tout qui en face son l'autre démocrate qui est Phillips et lui même le nouveau film clair net sous présence et candidat ça qui sont parlementaires tout lui-même et qui lui-même entrer dans bataille là tout pour lui parce qu'il dit que il était quoi nécessaire pour que et l'état assemblée d'après ça fait qu'on est il croit que et candidat parti républicain qui semblait que c'est comme président ancien président Donald Trump a mené dans intention de voiture. Donc il t'a semblé que c'est lui-même qui t'a remporté. Alors si c'est lui-même qui t'a remporté et nomination parti républicain, eh bien bon, il a besoin d'adversaire en face lui. Donc monsieur était quoi que lui-même il est capable de faire mieux que président sortant Joe Biden. Donc son dossier encore qui était l'ouvri que n'a suivi pour nous connaître qui en s'appraler parce que pour qu'on y a là c'est préparatif cap fait etc pour connaître qui Jean Baïsa va aller. Donc non l'autre grand point question c'est dominant par le APEC, nous parlons de eh bien non on aller directement en Haïti d'abord nous parler donc je dis à tous nous que sommet APEC là fini tout. A fini tout donc ces derniers jours et dossier Haïti d'abord pour ce concernant Caraïbes là des pays Caraïbes comme toujours dit à ces derniers jours sommet deux jours que Arabie Saoudite a fait avec leader pays Caraïbes comme côté nous jeune présence et premier ministre haïtien Ariel Henry et en tant que membre CARICOM donc qui présent donc sommet à son sommet de jour donc la fin jeudi à tout mais son sommet justement qui a cherché dans quelle mesure que Arabie Saoudite a cherché renforcer les relations avec pays membres et CARICOM donc sommet ça la fin jeudi à et puis et en Haïti n'a dit que Haïti menace une dépression tropicale qui menace le pays d'Haïti donc il m'a demandé pour prendre plus de précautions pour surtout s'il changer en tempête tropicale qui ça t'a fait donc comment la population pour préparer en conséquence si données ont changé et si dépression tropicale là t'a vienne tourner une tempête tropicale et puis dossier Kenya nous rappelons que Kenya et parlement Kenya et assemblée générale et Kenya a voté pour autoriser que
gouvernement envoyé en Haïti soldats, police nationale, police, un millier de policiers pour aller en Haïti, mais dossier ça, ils font pause après que le suprême pays a lui-même renvoyé et décision renvoyé pour fin janvier 2024, décision pour lui-même pour décider, et parce que il y a un groupe dans l'opposition qui allait dans le tribunal et qui demandait pour pas voyer et police là en Haïti. Donc le tribunal a dit la prend décision en fin janvier 2024. Donc dossier a fait pause Kenya, mais entre temps ça va empêcher que Kenya continue à préparer et par exemple a fait l'argent, a fait logistique et aussi de qui besoin entraînement, parce que Kenya a besoin c'est des conditions tout, non seulement de l'argent mais demander tout pour entraînement tout, demande que très certainement communauté internationale là a penché sur eux pour voir dans quelle mesure qu'a aider Kenya préparer comme si Kenya qu'a prend tête et délégation bien qu'a prend tête et question sécurité ça bien qu'elle force ça et puis il y a l'autre pays tout qu'a participer tout, donc l'argent côté gain ressources humaines l'autre côté, donc tout bas ça en tout temps à préparer jusqu'à ce que le Cour suprême là il prend décision en fin janvier et laisse au moins à wagon idée au moins qui l'est et que soldats ou bien que les police kenyan en particulier avec l'autre pays qui a porté support bail qu'il est y a capable et déployer. Donc nous faisons pause sur ça. Et puis en dedans pays d'Haïti même c'est gros désordre dans cité Soleil avec un parti dans zone Croix des Bouquets, gagne deux gangs qui a beaucoup de coups d'armes, c'est G9 avec GPEP. Et bien monsieur ça a beaucoup de coups d'armes, après une là dans le petit leader, l'autre groupe là envahi livre avec espoir que t'a pas le prendre territoire. Et bien population prend entre les feux, monsieur était occupé partiellement l'hôpital qui était dans cité Soleil. Et bien la police est intervenue pour te monde si c'est croapé yo, mais elle est intervenue et bien te retire prend pour monde qui était fermé, qui était bloqué en dedans. Donc kounya moun yo aux abois, moun yo prend la rue par côté pour aller, et il dit à cause de coups d'armes cap tiré yo, gen moun cap victime et pour aller de plusieurs dizaines de monde qui semblait ta mourir dans beaucoup de coups d'armes ça qui depuis plusieurs jours côté gang ami ça beaucoup de coups d'armes entre eux. Ça qui était pour un autre problème, tout problème de distribution pour du pétrole non pas essentiel. Donc jusqu'à hier ou avant hier tu as raté gasoline non pas essentiel, et raison c'est parce que gasoline ou bien encore pour du pétrole pas de sortir dans station centrale là pour aller dans pompe et dans distributeur. Donc d'après ça qui dit, il t'a semblé que jusqu'à hier elle était gagnée et plusieurs dizaines de camions qui étaient chargés avec les produits pétroliers et qui t'a fait distribution dans le nord. Donc son dossier qui t'a fait distribution dans Pompio, donc son dossier que n'a pas su pour tout, mais t'es gagné on partiellement t'es raté parce que le gaz a été arrivé dans pompe gasoline. Mais il t'a semblé d'après sa responsable dit depuis hier qu'il y a plusieurs dizaines de camions qui que t'es mettez produits là dans eux et qui t'a fait distribution. Entre-temps gagné tout et partie sortie sud capitale là et qui toujours on cam apparent parce que gen justement la police qui n'en confrontation avec un autre groupe gang armé qui eux-mêmes a cherché point contrôle un abattoir une zone côté stratégique nous a dit parce que zone stratégique c'est son corridor lié sur son couloir côté que et machine et desservi jusqu'à 5 départements. Donc monsieur était prend contrôle zone ça et un peu le monde dit si on prend contrôle couloir ça et bien il pas capable Jean au faire pour l'autre côté pour faire mon payer machine au payer droit de passage et même marché que abattoir qui dans zone tout faire mon payer taxes etc. Donc son bar que la police a gommé à monsieur, mais jusqu'à présent bah il pas fin trop clair pour police pour la police, et la police pas fait trop déclaration est-ce que oui ou non ils prennent contrôle, mais il y a monde qui dit que gon un cas apparent mais c'est pas vraiment et situation. Non, l'autre point qui a privé dans l'actualité hier la voilà m'était passé nouvelle qui fait comprendre que vol charter en Haïti avec Brésil campé. Et ça qui fait et Haïtien qui au Brésil qui était besoin ça que Brésil était
on disposition qu'elle te prend pour te permettre ça les réunification familiale, ça veut dire que parents madame qui t'a au Brésil t'a capable faut chercher Mario Vinjenio petit tout car Vinjenio ben qu'on y a tout dossier ça au campé parce que le gouvernement haïtien est campé tout vol cap sorti en Haïti qui parle alors tout vol privé cap sorti en Haïti pour aller au Brésil mais vol privé ça le charter et mes vol privé ça au campé ça c'est une décision récemment que le gouvernement haïtien a pris. Et les choses arrivent après l'autre décision que le gouvernement a prise, même côté officiel, il a dit une décision temporaire, il a campé tout vol charter qui tape sur en Haïti, qui tape après le Nicaragua. Et nous connaissons que le gouvernement américain, en la personne de chargé d'affaires États-Unis, Stroumeyer, a fait déclaration pour te dire que tout le monde qui t'a sorti en Haïti avec pour aller Nicaragua avec objectif pour arriver aux États-Unis pour venir demander asile sur frontière et ben y a des portes. Donc bah ça t'est là un bon monde en couri monde qui dépense $3,000 pour minimum pour faire voir ça et ben les décisions te prendre pour qui quand même à bon avion qui t'a pas volé et ben responsable te dit non bah sa pièce tout monde te descend et ben ça t'est en pile parole jusqu'à présent tout. Comme il était dit c'est un bail provisoire, donc il a toujours été une décision provisoire, mais il était dit que c'est parce que tu voulais mettre l'ordre dans l'activité ça avant que tu quittes le reprendre encore, donc tu ne nous pas connaît. Et à mettre l'abse sous clos, ça vient créer qu'on y a avec décision que tu prends pour Haïtien qui n'est pas allé au Brésil, parce que le Brésil là c'était une question de réunification familiale, par exemple, il y a un maman ou un papa qui est au Brésil, tu as préparé pour le faire petit vin jeune ni. Ou bien mari ou bien madame t'a préparé pour faire l'autre la vie jeune et bien qu'on y a pas qu'à faire et ça li qu'a fait mais pour le faire ça m'a donné l'autre bagaille par exemple et transiter en République dominicaine c'est son problème parce que techniquement République dominicaine ouvert frontière aérienne avec Haïti mais c'est pour seulement monde qui gagne visa et m'a dit carrément que yo visa actuellement pour un nouveau vol de Port-au-Prince pour aller Santo Domingo qui 30 minutes de vol et bien, billet d'avion coûté $435 d'après ça on ami femme qu'on est coûté $35 alors bien entendu aller retour $435 pour c'est m'pa même ka dire vol c'est comme un haïtien qui aux États-Unis ou bien qui Washington un petit peu moins à payer très certainement pour la République dominicaine. Pour la République dominicaine, on vole aller-retour, on vole 3 heures de temps. Vous imaginez que ça veut dire que ça est. Donc, pour aller en République dominicaine, en tout, on a besoin de visa. On a besoin de visa pour entrer en République dominicaine. Or, le consulat, il est fermé. Actuellement, le Dominicain n'est pas de visa qu'on y a jusqu'à ce que il finisse résoudre le problème avec Haïti sur la question frontière. En parlant de question frontière, et comité organisateur a été longtemps t'a parlé de possibilité pour être inauguré canal qui met Haïti dos à dos avec République dominicaine on a parlé canal au sur rivière d'Habon là et rivière Massacre là dans et Wanamet et bien ça a li tombé et inauguration était préparée pour être inaugurée le 18 et c'est ça qui a rapporté dans un journal qui même citait et ancien consul responsable zilé et d'une paraison qui avait connu que date ça il renvoyé sinédié jusqu'à une date qui indéterminée par contre qu'il est à cause de retard qui vient gagner dans construction problème et responsable rencontré surtout dans phase presque dans phase finale là côté gros problème équipement que pas jeune pour ta permettre que préparer avec mettez tout avec quand rivière Massacre là tout qui descend et qui semblait causer dégâts tout dans dégâts dans canal. Dans l'autre nouvelle nous gain et correspondant nous dans Fort Liberté Jude la Junior Saint-Ville qui parlait nous de décision autorité la justice au point donc CSPJ prend avec toutes 18 juridictions et bien pour capable et faire ça aller
et accélération, un processus d'accélération pour autant des monde qui ferment en prison depuis quelque temps, qui va jamais parler devant le juge, ça est des détentions préventives prolongées. Et bien, toutes 18 juridictions, hein, ben, comme c'est des séances qui ont fini jusqu'en janvier, pratiquement, à côté qu'il y a tant de prisonniers, il y a tant de monde qui ferment en prison, et certainement, d'après ça, je les juniors Saint-Ville dit non, prisonniers qui, monde qui était en prison, et audition qui a fait déjà, ben, libéré près de 21, on va plus passer 20 monde, que c'est pas parce que pas de coupable de action que tu es reproché ouais c'est parce que peine que tu as pugé pour action que tu es posé à pour acte que tu es posé à mais tu as pugé pendant déjà donc la justice c'est la justice c'est pas gagné puisque tu t'es déjà pugé pendant déjà donc mon ça yo yo libéré mon ça yo mon ça entré la carrière d'après ça commissaire gouvernement fort liberté a déclaré par correspondant et Jodler Junior Saint-Ville. Donc son processus cap continue dans tout département, toute juridiction, toute 18 juridictions république là pour justement essayer de combattre ou bien diminuer détention préventive et prolongée. Non, l'autre point que m'ta capable et puis gen haïtien yo sur parce que nous sur frontière n'a parlé et mes commerçants haïtiens yo nous rappelle qui des victimes ou bien qui des gen et pour bien yo bouler dans et dépôt yo bouler dans difficulté prendre dans et dans Dahabon et alors frontière haïtiano dominicain n'a pas Dahabon voilà maintenant mais haïtien ça te gen dépôt yo bouler dans Dahabon et ben yo même yo mandé dominique gouvernement dominicain pour payer yo dommage intérêt près de 50 millions de pesos. Non, donc nous-mêmes qui savons, nous allons convertir l'I en goud, nous allons comprendre comment ça fait, pour ça au perdu. Mais d'après sa responsable dominicaine, fait qu'on ait dit rapport que service pompier dominicain était fait sous incendie ça. Mais au jeune que sous près de 34 dépôts qui ont l'autre bois, il y a seulement deux qui étaient pour dominicain et l'autre reste là était pour haïtien LTE. Mais il dit que son coup circuit qui t'a responsable incendie. Mais jusqu'à présent, le gouvernement dominicain n'a pas réagi si oui ou non il va payer haïtien yo et dommage car mais pour pète que vous faites dans du fait ça. Et puis donc bain de dossier Brésil là, donc vol entre Haïti avec au Brésil. Château volio, il a annulé, il a pas fait encore camper. C'est pour camper provisoirement et c'est ça et correspond à nous au dans São Paulo et Brésil. On a parlé de Tchis Jean-Baptiste rapporté ben nous côté le terrain côté tout avec quelques organisations haïtiennes même tout à babier sous conséquences. Décision ça a gagné sur communauté haïtienne, surtout immigrants haïtiens qui au Brésil et qui t'a préparé pour attaquer les familles d'après une loi dominicaine et brésilienne, une loi sur réunification et familiale. Puis dans ces frontières, États-Unis partage avec Mexique toujours, malgré toutes les paroles qu'a dit comme quoi qu'on s'est fermé techniquement. Et mais sous besoin vini ou pas qu'à vini comme ça faut pour rendez-vous à partir de application CBP on a mais ça va empêcher haïtien et latino yo sorti dans pays yo sorti et continuer à priver dans zone Tapachula c'est dans état Chiapas donc état Chiapas c'est lui qui sépare et frontière Mexique avec Guatemala donc c'est seul pendant c'est pendant ça que immigrants ont utilisé pour vini et pour rentrer au Mexique et une fois arrivé là ils ont demandé permis de travail ou bien permis de voyage et qui permettent de continuer le voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent sur frontière États-Unis partage avec Mexique là à côté où ils demandent asile aux États-Unis avec espoir que si a pouvait demander et bien bon certainement et il aime te parler un petit peu de ça de montrer nous haïtiens même qui gagne des mois l'autre bois et gagne mon même qui gagne le même tabli l'autre bois parce que pas un travail c'est vrai et gagne mon qui besoin de déplacer un petit peu aller un peu plus loin parce que jour que sous cas déplacer quitter état Chiapas ou cas aller un petit peu beaucoup plus loin il y a plus possibilité pour jeune travail mais Mexique gon loi qui tout à fait sous immigration quand on rentre à faut faire demande là et leur faire demande faut tant que au bord demande avant qu'on déplacer ça qui fait et puis quantité monde qui gagne retour par rapport avec ressources humaines
que Mexicain manque de personnes, et bien ça permet ça rendre que le travail un petit difficile, donc difficulté qui gagne pour que yo remettre et immigrants ça yo document voyage qui nécessaire pour continuer voyage grand pilan yo tout objectif final yo c'est continuer voilà jusqu'à ce arriver sur frontière à côté yo pral très certainement demander asile. Et puis qui ça gagne encore, bon moi si nous déjà parler nous le bail voilà c'est ça fancy football yo nous m'a oublié nous. Brésil perdit, Argentine perdit. En tout cas, pas de garder match Brésil là, parce que je pas songé que c'était un match Brésil. Même si un match Argentine, je suis face à Uruguay. 2-0, je pas repris le là, non, parce que je ne bien me faire rater là, je pas là, mais je suis deuxième goal là. Équipe Uruguay, ça, Argentine, malgré tout effort, mais si fait, compagnie, tout effort fait, on n'est pas tombé. Donc, Brésil perdit et Argentine perdit. Alors, ça fait une bonne nouvelle, ça. C'est parce que semaine prochaine, non, deux équipes ça vont rencontrer. Brésil a rencontré avec Argentine, toujours dans quatre matchs qualificatifs Coupe du Monde pour zone Amérique du Sud là. Donc nous avons vu nous surprenons. Venezuela Abdou Domeya, Venezuela a fait match sur le tour, dit même tout. Alors Venezuela c'est toujours équipe pratiquement qui compte en dernière position dans le groupe 10. Pays comme Ebolio, et bien ça va marcher. Et puis, il n'y a pas de souci qu'on fait là pour Copa América. Copa América, bon, Haïti a été chance ça pour le là. Et après trois matchs, c'est ça, deux matchs, nous avons fait un match à Cuba, un match, et puis nous perdu le dernier match pour nous jouer, nous perdu le bon. Haïti pratiquement a réfléchi pour l'année prochaine qu'on a Haïti tombé, descendre dans le groupe B, et pour la saison prochaine. Et puis il y a des matchs quart de finale et groupe et ligue des ligue pays CONCACAF. C'est les États-Unis qui t'a accueilli Trinidad, mes amis. Équipe Trinidad monté, bon, depuis États-Unis monté dans match, monté match, États-Unis prend match en main. Et peut-être des rares quelques actions vraiment convaincantes. Gardien États-Unis et passer tout match à Chita, la suivre match à Chita, mais pas vraiment une action vraiment qui vient timide. Puis, il est venu pour M. Trinidadien, eh bien, il a joué match à pratiquement, puis il match à avec 10 joueurs, parce que le joueur qui était bah, un tacle américain, eh bien, habite là, trouvé que le tacle a été fait trop élevé. Et M. pour un carton jaune, c'est qu'il était pour un carton jaune déjà. Donc, il vient pour un carton jaune. Donc, l'on prend deux cartons jaunes dans le match. Ça veut dire que, et automatiquement, au son carton rouge, il vient tourner. Donc, monsieur est obligé. Donc, Trinidad a joué, il a perdu 3-0. C'est un bel match. Les Américains ont vraiment fait une démonstration de force avec des jeunes talents. Jeunes talents et son équipe qui est complètement a réformé, qui a préparé tout. Mais on connaît que l'État américain est très sensible, donc il y a un peu de match. Après ça, il y a un autre match, il y a un autre match encore aujourd'hui. Et puis, il y a une surprise toujours, Panama. Et Costa Rica n'a pas de chance du tout, Costa Rica est tombé devant Panama. Et parce que jusqu'à la fin du match, l'MTP a gardé que Panama a tapé mené et 2-0 devant Costa Rica et Machate presque vient en fin li. Et donc pratiquement et Machate vient ensemble c'est la caille Costa Rica. Donc nous imaginons que ça s'est passé. Donc voilà, c'est des activités sportives là et puis pendant tout le week-end ça a grandi l'activité en pile match football qui a pu dérouler. Et bon, moi je suis pour nous passer un très bon week-end. Je dis à Jacqueline Lacaille, donc nous allons comprendre comment monsieur content. C'est 16 jours, monsieur content dans ce maintenant. Et c'est l'aile Lacaille. Donc, même si elle prépare un reportage pour nous, et très certainement, monsieur Pral prépare un reportage pour nous sur l'activité gang en Haïti, surtout sur l'attaque, monsieur Sotmene là dans l'hôpital Fontaine, dans Cité Soleil, côté barricadé et Timoun, grand monde qui est dans l'hôpital là. Donc là, venez avec éléments d'information, ça y est pour nous. Et puis justement, font un petit bail sur l'activité gang un petit peu. Donc c'est ça qui va venir pour nous. Et puis, il y a un Valérie Saint-Lunien qui a pour parler tout de haut. Il y a un parlementaire américain, George Santos, lui-même tout qui était dans le problème. Dernièrement, la Chambre des députés a été votée. Alors, il faut que tu aies fait pour te destituer, monsieur, pour te voir, monsieur, aller.
mais votre pas passé. Mais quand même, monsieur là, mon dossier a toujours été. Il t'a semblé que les jeunes nous bagaillent parce que monsieur qui est capable de pas candidat encore dans la prochaine élection. Monsieur se représente un district électoral dans New York. Donc, Valérie Saint-Louis a eu une petite plus précision pour nous sur ce dossier là. Et puis, nous avons. Et nous parlons déjà de. Jour de la Junior Saint-Ville qui a pas une activité dans le tribunal, ça a été prévention et préventive prolongée pour empêcher et diminuer la quantité de population carcérale là, qui commence, qui démarre dans toutes 18 juridictions. Et puis, nous avons, et Sandra va parler nous, et un peu de activité, ça a passé exactement dans le territoire Gaza, dans guerre Israël avec. Et à Masla, mais on l'a pour l'autre aspect là-dedans qui ne sait pas guère en lui-même, même si il est capable d'avoir l'information, mais c'est l'autre aspect qui est là-dedans, par exemple, aspect technique ou bien encore problème et communication qui gagne, et parole cap dit une autre, etc. Et donc la pote, la fonction de mélange de ça qui gagne pour ouais avec guerre Israélo à Masla. Et pendant ce temps, protestation a fait un peu partout. Il y a des gens qui sont palestiniens, des gens qui ont fait palestiniens, a protesté dans toute grande ville américaine. Tout le temps, tout le monde qui sympathise tout, bien qui d'origine israélienne tout, a manifesté tout, et en faveur d'Israël, pour dire pour faut qu'Israël finisse avec, avec les groupes militants à Masla. Et qui ça nous est pour encore? Et pratiquement nous capables si nous gagnons temps autre jeudi à ce vendredi je vais parler de nouvelles souveraines d'être mais très probablement si nous gagnons temps dans l'année nous capables de Ouchel Guillaume et Atissa que tout le monde aime et ben nous avons un petit parler de lui tout parce que et Marc Hervé Abela qui était parlé qui était couvre on activité qu'il était mené et puis gentil Augustin. Et nous connaissons que gentil Augustin, bon, monsieur est empêché. Donc, monsieur est au bon établissement. Et nous n'avons pas parlé encore. Bon, nous saluons le Koto Ia et nous souhaitons que tout va bien passer. Et nous attendons nous voir ici parce que Rodriguez, café, non seulement je café pas maintenant, café Rodriguez fait, non seulement je pas maintenant, je bois pas là tout. Ça veut dire que je fais deux cabesses qu'on y a fait café ça. Ok mes amis, passez un bon week-end jeudi à ce vendredi. Et vous conduisez, vous ne pouvez pas consommer d'alcool. Et si vous consommez d'alcool, vous ne pouvez pas conduire, vous ne pouvez pas faire tous les deux ensemble. C'est une ou bien l'autre. C'est choix. Aux États-Unis, il faut 21 ans pour accès pour consommer d'alcool ou pour accès avec alcool. Contrairement avec l'autre pays, écoutez, là, c'est 18 ans. Donc, on n'a pas compris ce qu'il y a. La vie est importante pour nous en pile. Nous avons besoin encore, et moi-même, je suis en train avoir Pita, dans le programme de la télévision, c'est moi qui est là, Fred Lacalito. Ok. Bonne journée tout le monde, on va aller.